Salut YouTube, on remet le record en route, on va finir, nous sommes le lendemain par rapport à l'épisode précédent. Et nous allons... Ah mais oui, j'étais en QWERTY. Nous allons terminer, enfin peut-être, Subnautica aujourd'hui. De façon incroyable, on met le son fort. Et on y retourne, je vais récupérer donc le projet... le projet est de récupérer ceci que je peux reprendre sans aucun problème. Vu qu'on est remonté un petit peu plus haut. Non, pas ça. Mais. ...1%, 41%, donc voilà, lui. Je récupère. 0%. Ok, on va aller mettre à charger tout ça. Qu'est-ce que je remonte d'autre? J'ai tout le nickel sur moi et normalement j'en ai assez pour ce que je veux faire, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai tout ça? Je vais laisser tranquillement. Merci beaucoup l'ours Skywalker pour les 42€ pour atteindre la vidéo en bretonien, évidemment. On y arrive, on y arrive. Je vais laisser ça ici. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le prendre. Ah, constructeur d'habitat, il me le faut. Ah oui, les armoires cassées. Quelle saloperie. Et quoi, je vais mettre le matériel en dessous. Ah, mais oui, du coup, ça donne un intérêt aux armoires qui sont en dessous, qui sont intégrées à la structure. Parce que ça, du coup, elles peuvent pas casser. On peut pas perdre les trucs qui sont dedans. Il n'y en a pas un qui est vide, là, à peu près. Ah, d'accord. Donc, clac, clac. Voilà. Plus le nickel, bah voilà. Sick fluide. Faut peut-être mieux que je boive avant de partir. Vital signs stabilizing. Corruption. Ça fera l'affaire. On va éteindre les lumières en partant. Pas que ça bouffe pour rien. Et c'est parti. Ah ok, oui, c'est par là. Donc la faille... Putain, je m'y attendais pas. On retourne à la base, on va mettre charger tout ça. On fabrique les choses qu'il faut. Et on revient. 89%. Damn. Ah oui, on remonte, on remonte, on remonte. Et donc ce qu'il faut, c'est revenir avec le prawn. Améliorer. C'est ça l'objectif. Parce que lui, le Simot, il est amélioré à fond. Il peut pas aller plus bas et 1300... 1300... Ah oui, il faut miner le Disten surtout. Et 1300 de profondeur, je peux pas les atteindre avec le Simot. Merci l'Oxaus pour les 5 mois. Et Corairis pour les 2 mois. Vive la mitraillette. C'est vrai, c'est lourd, mais c'est bon. Ça descend fort, là. Il y a des bruits, je les entends pas. J'entends rien. Là, en plus, le Simot, il avance quand même relativement vite. Du coup, je peux sortir facilement d'une situation déplaisante. Mais le prendre, ça va être une autre chose.
falloir se taper toute cette tout ce trajet à pied, quoi. Mais bon, avec le grappin, il a quand même une belle mobilité. C'est beau, mais c'est loin. Hein. Pas mettre le prendre dans le gros sous-marin. Si, mais pour ne pas tout trimballer, je fais comme ça. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus vite de prendre le cyclope et de faire l'aller-retour. Ah oui, mais non, parce que de toute façon, j'avais le Simode qui était dedans. Donc pour remplacer, il faut... Ah ben non, si j'étais venu, j'aurais pu faire l'échange quand même, abruti. Si j'aurais pu. Merci Patton pour les 20 euros. Mais on va faire le trajet à pied. Parce que je n'ai peur de rien. Et je peux peut-être équiper un système de lance-torpille avec le Prawn d'ailleurs. Ah oui mais non, je peux pas avoir... Il me faut la foreuse. Et il me faut impérativement le bras... le bras grappin. Sans ça, il a aucune mobilité, c'est un peu chiant. Attendez, on a d'abord des trucs à faire. Hein. Regardez sur la droite. J'ai épinglé des recettes que je veux faire. Welcome aboard, Captain. On va commencer par faire ça. Même aller vérifier que tout va bien au niveau niveau énergétique. L'énergie nucléaire. Oh, il y a trois barres. Oh non, on est bien. C'est quand même classe avec l'aquarium, hein. De charger 4 batteries à la fois, ça va être long. Hein. Oh, ça va, il est déjà à 10%. Non, ça va. Ça va le faire. De toute façon, j'ai des trucs à faire d'ici là. Alors, il me faut de l'aérogel, du plastacier. Plastacier, j'en ai. De l'aérogel. Non, c'est pas ça. De l'aérogel. Et un morceau... de câble avancé et j'ai de quoi faire. Je pense pas que le Simode soit nécessaire pour aller jusque là-bas. Elle est où ma plateforme? Elle était juste au-dessus, non? Peut-être qu'elle est pas épinglée. Neptune. Bah si, elle est épinglée. Elle est là-bas! Ah shit! Attendez, on y va. Bah alors, vas-y, je vais faire le... Je vais faire l'amélioration tout de suite. Profondeur Mark 2 pour Cyclope. Ah oui, c'est vrai que je l'ai fait, le profondeur Mark 2. Et donc, le profondeur Mark 3. Ah bah oui, il me faut du 10-10, idiot. Je l'ai fait hier, donc c'est bon, je peux pas l'améliorer, lui. Enfin, je peux l'améliorer dès que j'aurai du 10-10. Et donc, dès que j'aurai ramené le prawn. Donc, si je veux améliorer le prawn, ce que je veux, c'est améliorer le prawn ici, voilà. Donc, il me faut titane, 2 de lithium et 3 de 10-10. Donc, je peux pas faire l'amélioration Mark 2 pour l'instant. Donc faudra le faire directement là-bas après avoir été farmé du 10-10. Ok.
Donc je reprends ça, on va aller on va s'occuper de la plateforme d'abord alors. Tout simplement pendant que les piles chargent, tranquille. On fait nos petites courses hein. On va voir ce que ça déclenche, tiens, de faire le module suivant de la plateforme. C'est la base de la fusée, ça? C'est le lanceur principal de la fusée? Et puis après, faudra faire l'habitat par-dessus? Ah ouais, il était à côté de la base numéro 1. J'ai aucune idée de ce qu'il va falloir, mais s'il me faut des matériaux de fou, j'aurais dû y aller en cyclope, en fait. Parce que sur le cyclope, il y a plein de matériaux. Là, je suis en train de me balader avec quasiment aucun matériau sur moi. Donc s'il y a besoin d'autre chose après, bah faudra faire des allers-retours. Ouais, mais alors j'irai chercher le cyclope et je reviendrai. Pas de soucis. Pas de soucis. Je vais construire ça. Puis on va s'occuper du prawn. Puis en s'occupant du prawn, on va récupérer le cyclope et on va explorer les ultra-fonds marins. Et puis on revient. Il a déjà rencontré la grosse bestiole. On l'a entreaperçu de très loin et j'ai très vite courageusement fait demi-tour. Mais j'ai vu un truc très très gros dans la grande cavité qui a bougé. C'est pas un fossile et moi j'aime pas ça. J'aime bien les fossiles moi. En même temps, je sais pas ce que je dois faire avec cette merde. Ne me spoilez pas. On verra bien. Voilà la plateforme. La plateforme gigantesque. Je crois qu'il faut aller là, module de construction. Oh yes! Oh, c'est déjà fini? Oh, la musique épique qui démarre et qui s'arrête directement, quoi. Wow! À l'impression 3D, c'est vraiment l'avenir, hein, y a pas à dire. Tout ça avec trois morceaux de nickel et une boîte de câbles. Wow. Ah, il reste là les petits drones. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben du Disten, batterie ionique haute capacité. Oh, ça existe. Attends, déjà, je veux désépingler le truc que j'ai là, clac. Épingler l'autre. Oh, les batteries, là. Les batteries... Où qu'elles sont? Batterie haute capacité. Quoi? Batterie ionique haute capacité? Mais j'ai pas ça moi! Je peux même pas faire les piles ioniques. Je les ai juste trouvées, mais je les ai jamais. Waouh! Merci Patton pour les 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Petit sub de l'officio préfectus. Merci beaucoup. Faiblissez pas face à ces xénos aquatiques. Aucune chance! Bon d'accord, il me manque encore les plans pour pouvoir faire... Ou alors je dois la trouver. Très bien, très bien, très bien. Eh ben écoutez, on a le schéma pour la suite. Hein. Du soufre cristallin. Mais ça, j'en ai, je crois. Je crois que j'en ai. Faudrait quand même que je me décide à construire une balise à l'endroit de... À l'entrée d'une grotte, d'une des grottes qui mène en dessous là. Faut que
je rentre en vitesse. On récupère le prawn et on se barre. Ouh, j'espère que ça va aller la flotte. Ou sauvage, j'ai 1,2 km à faire. N'empêche qu'on a retrouvé la grotte assez facilement hier. Ça va le faire pour la flotte. Il y a eu de la lumière là. C'est un des trucs qui se tépait. Il doit très probablement y avoir encore des coins que j'ai pas visités avec des trucs à découvrir, à scanner, mais je vais aller voir ça. Déjà, on va aller voir ça en descendant avec le prawn sur la grosse bête. Mais non, le prawn, je vais le prendre, donc toi, tu vas là. Welcome aboard, Captain. Ouais, mais par contre, on va pas partir tout de suite à cause de ça. Merde. C'est chiant ça. Oui, j'avais des bouteilles d'eau sur moi. C'est pratique ces petits arbres pour faire le plein. Hop là. Et j'ai pas toute ma vie. J'avais pas un truc de vie moi. Fabrication. Ah bon? Ah merde alors. Pourquoi circuit intégré, maille de fibre et argent. Ah, chiasse. Ah, bah, j'ai un kit de soins ici, sinon. Ce sera pas nécessaire d'en avoir d'autres. Merci, Lovania. Merci beaucoup pour l'euro. Pour ton don, je suis thalassophobe, donc je vais fuir ce stream. Mais, mais je fais une bonne action avant de partir. Merci beaucoup. Fuis! Et les palmes qui rechargent, ça je pourrais faire, tiens. Attends. Ah mais oui, polyaniline, j'en ai. Les palmes plus un truc, une boîte de câbles. Et mes palmes. Hein? Ah, c'est des palmes de merde qu'il faut. Moi j'ai des palmes quoi alors? Palmes ultra glissantes. Améliore considérablement la vitesse de nage par rapport aux palmes ordinaires. Ah, et les autres, c'est, ça recharge mon équipement quand je nage. Ouais, bah qui recharge l'équipement, moi j'aime bien. Hein. Il faut juste que je me fasse des palmes normales. Et bah faisons-nous des palmes normales. Faut juste deux caoutchoucs en silicone, impeccable.
Ah bah oui, il les a équipés direct. Voilà. Et il les a équipés. Impeccable. Donc là, je vais voir, tiens, j'ai ce truc-là, énergie 84%. Ça marche bien. Elles font du bruit. 86. Ça marche. Et ça marche si j'utilise ça. Ah mais non, parce que là les palmes elles vont pas. Enfin quoi que. 31. 32, ça marche. Trop bien. Génial, même ça, c'est rechargé, plus jamais de problème de pile avec ça. Incroyable. Le Brown, il est équipé de quoi, lui? Batterie haute capacité, accès aux améliorations. Il a un module de rendement moteur. Grappin et forage, ouais, c'est ce qu'il me faut. Éventuellement voir avant de partir le temps que mes trucs rechargent si je peux pas lui faire une amélioration. Pas là, ici. Et ça c'est pour modifier le Simot. Ah c'est ici. Module commun, renfort de coque. Durcit préalablement le châssis avant une collision, éliminant les dommages en conditions normales, compatible Simot et Brown. Les dommages. Module de stockage que je pourrais mettre. Module de profondeur pour Simot. Module solaire pour Simot. Système de défense pour Simot. Génère un champ électrique localisé. Simot. Ah oui, là on est dans les modules pour le Brown. Module de profondeur, celui-là je l'ai. Réacteur thermique pour combinaison Brown. Ah mais attends, mais le module de profondeur marque 1, je ne l'ai pas en fait sur le Brown du coup. Plastacier et rubis. Ah mais oui, il me fallait du nickel. Mais oui. Donc plastacier et rubis. Je peux le faire ici. Plastacier. Et... Oh non! Oh j'ai pu! Oh j'ai pu! Ah mais attends, du rubis. Il me semble qu'il y en a vraiment pas loin en fait. Je crois en avoir vu genre ici. Si je descends un peu, je suis quasi sûr qu'il y en a. Non, ça c'est un truc de sang. Peut-être pas ici. Ah, j'aime pas. Ouais, voyez en Simot, hein. Voilà. Oh, c'est qu'il y en a. J'ai peut-être déjà tout pris ici dans le coin, en fait. Là, il y en a pas. C'est des poches de sang. De sang. Ouais, bah on va prendre le Simot, on va aller un peu plus loin, sinon je vais avoir des problèmes de d'oxygène. Oui, ou alors j'allume le scanner, effectivement.
Ou les deux. Bah tiens, voilà, comme ça, ce sera l'occasion de réparer, enfin de recharger les piles suivantes. Faut que je parte avec un max. Hein. 8, 220, 215. Le prendre sinon. Non, ça ira plus vite avec le simote. Je pourrais y aller sans le simote, mais. Comme ça, j'ai pas à me tracasser de l'oxygène. Ah, je suis à 64 points de vie. Hein. Ah, il est en train d'en trouver là. Soit il y en a un là, soit il y a dans une grotte. Ouais, c'est une grotte ça. Ah non, il est là! Les jeux vidéo, ça me détend. Moi, je fais pas de la thalassophobie, là je fais de la musicophobie. C'est pas le jeu qui me fait peur là en ce moment. Trop bien les palmes pour recharger. Il est loin lui. Hello? Mais attends, j'ai pas un stockage là-dedans? Si, j'ai un stockage dans lui. Accès à amélioration. Ah, j'ai peut-être pas de stockage sur lui. De toute façon, j'ai assez de rubis là. Je crois que j'en ai dans le cyclope. Attends, c'est pas là-bas que je vais, c'est là-bas. J'ai assez. Merci Muzerg pour les 6 mois. Comme je l'ai reconstruit, je l'avais l'amélioration de, du
pour les rangements dans le Simot, mais comme il a été détruit par un poulpe de l'enfer. Qu'est-ce qu'il me reste comme batterie? Putain, j'en ai encore plein qui sont vides. Non, c'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais l'amélioration du Brown. Ben voilà, le Mark 1. Le petit Mark 1. Voilà! Et donc pour le 2, il faut le Disten. Mais ça, je le ferai dans le Cyclope dès que j'aurai du Disten. Donc c'est la prochaine étape. Voilà. Cyclope, voilà, Mark 2 pour Prawn. Donc il faut 3 distens, 5 de titane, 2 de lithium. 5 de titane et 2 de lithium, j'ai tout ce qu'il faut dans le Cyclope. Je vais couper le... je vais couper ça. Ouais, chiant. Ça coûte combien d'en refaire un? 2 rubis, 2 titanes, un kit de câblage avancé. Ouais, vas-y. Ah, avancé. C'est quoi pour le kit de câblage avancé? 2 d'or et un circuit intégré. Et les circuits intégrés, c'est ça qu'il faut. Le bordel dans l'inventaire. Fil de cuivre, or, échantillon de corail plat. Mais j'ai trop là. Vas-y, je vais tout foutre ici pour l'instant. Ça m'emmerde. Crabes poulpes, les créatures qui m'ont fait le plus flipper, ils m'ont détruit un Simot aussi. Et les crabes poulpes, je les trouve terrifiants aussi. Et ouais, ils m'ont pété un Simot, c'est eux qui me l'ont pété. Or et 2 échantillons de corail plat. Ah, parce que j'en ai encore beaucoup des échantillons de corail plat. Ça va. Et de l'or. C'est l'or de Twitch. C'est votre or. Circuit intégré, kit de câblage et 2 d'or. Kit de câblage. Voilà. Et donc là, il me manque 2 rubis pour chaque. Donc il m'en faut 4. Câble. Sinon c'est un petit... Quoi? Ah, il manque 2 de titane, d'accord. Voilà. Eh ben parfait. On va reprendre les batteries vite fait. On va finir de charger tout ça. Celles-là sont pleines. Dernier cycle de charge. Ça aurait été plus vite si je l'avais fait dès le début. Voilà, là, il y en a une de plus. Ok. Voilà, dernier petit cycle de charge et puis on est bon. En attendant, je vais aller refaire un petit peu les réserves de poissons.
Oui. J'ai plus qu'un seul de nickel. Peut-être le laisser ici. Non, je vais le prendre avec. Ils sont là, les champignons! Bon, après, j'ai les fruits, donc c'est pas le problème, mais bon. Trouver un audiologue du patron sur SM2. Ah! Lequel? Qui parle de pensée d'Onyx. Ah, le meilleur. Ah, celui-là, c'était le plus fun. Putain, il est où? Il est où, celui-là? Tu l'as trouvé où? Tu te souviens? C'est de perdre un cyclope avec plein de matos dedans, dont un prawn. Ah, dans le jeu, il y a moyen d'avoir des trucs bien, bien chiants, ouais. Petite caméra. Ah, je suis trop loin. Est-ce que je suis déjà allé visiter là-bas? Je sais plus. Caméra 6. Comment on change? Ah ouais, il y a le cratère, il y a les trucs ici là. Oui, c'est ça, elle est là. Dans cette faille. Magnifique soupir de faim en tout cas. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. La dernière mission de la campagne, juste avant d'entrer dans une cathédrale. C'est la dernière mission de campagne? Juste avant d'entrer dans une cathédrale. Ah merde, on l'a loupé du coup avec Alpha. Merde. Bon bah voilà, vous savez où elle est, hein, si vous voulez la trouver dans Space Marine 2, sinon. Le calamar crabe avec le cyclope, j'ai eu de la chance, faut croire, je les ai écrasés par accident contre les parois avec, ça les a OS. Oui, les mobs ont une barre de vie. Oui, oui, tout à fait, il y a moyen de les tuer, hein. Fait qu'un seul audiologue ou tu avais plusieurs doublages? Non, il y en a plusieurs. Il y en a certains où je suis tout seul, d'autres où il y en a. Je crois qu'il y a 3 audiologues où je suis tout seul et un audiologue où je donne la réplique à Alpha. De mémoire, je suis plus sûr. Merci Anonymous pour les 10€. C'était il y a longtemps, il y a des mois quoi. On a dû garder le secret pendant longtemps, hein. C'était quand qu'on est allé. En fait. Vous voyez, quand on a fait la bataille chez Heavy, chez Friends War Game Studio, entre Alpha et moi, et ben en fait, c'était on avait passé 2 jours ensemble à Paris. Un jour, on allait... Attends, ah non, ça avait tenu dans la même journée. Ah oui, putain, c'était une belle journée marathon aussi, ça.
J'étais venu dormir la veille, mais donc oui, deux jours, mais en fait, c'était, ça tout tenait sur la même journée. Enfin bref, on allait le matin enregistrer les audiologues à Paris dans un studio de tournage avec Focus. Et l'après-midi, on allait tourner avec Evie le rapport de bataille chez French Wagon Studio entre Alpha et moi. C'était sportif. C'était bien sportif. Mais c'était très cool, c'était une super expérience. Trop chouette opportunité, quoi. Dans son où, là? 88, 86... T'as fait ça en studio? Ouais, ouais, on était en studio, hein. Studio pro avec une équipe. Putain, ils étaient... Il y avait... un espèce de directeur... je sais pas comment appeler ça, je connais pas les appellations exactes, mais un genre de directeur technique qui vraiment... disait au technicien qui était l'ingé son à côté de lui ce qui devait mets-moi un peu plus de ça, non celle-là on la garde pas, celle-là on la reprend dans machin, donc il contrôle tout et qui en même temps à nous disait fais un peu plus ci, fais un peu plus ça, fais ça. Il y avait plusieurs personnes de chez Focus qui étaient là pour surveiller entre guillemets et voir comment ça se passait au niveau des enregistrements, enfin bref, c'était cool. On a rencontré des devs, des responsables, du... directeur artistique? Non, je suis pas sûr que c'est ça le nom exact. Parce que là, c'est vraiment pour le milieu du doublage, quoi. Je pense pas que ce soit directeur artistique. Régisseur plateau. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je connais pas le terme exact. En tout cas, quelqu'un de très très gentil. Ils étaient tous gentils sur le truc, ça c'était vraiment chouette. Mais lui, donc c'était vraiment le gars qui nous parlait directement quand on était dans la cabine. Et il était vraiment très 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 sympa. Très patient, très gentil, très doux dans sa façon de nous expliquer les choses. Oui, alors là, faut... Vas-y, c'est pas grave, que... essaye plus comme ça. T'inquiète pas, fais plus ça, fais plus ci. C'est trop bien pour ça. Module de profondeur Mark 2 pour Cyclope, module de profondeur Mark 1 pour Prawn. Voilà. Je pourrais en faire d'autres, en fait, des améliorations pour le Prawn. Welcome aboard, Captain. Il a un truc énergétique, mais... Amélioration du propulseur. Oh! Oui, mais il faut du nickel, j'en ai plus assez là. Ah merde, ça aurait été bien ça. Réacteur thermique, recharge les batteries haute capacité dans les zones chaudes. Ah, ça aurait été parfait ça! Mais oui, mais il faut du distain. Bras de forgeage, ça je l'ai. Module de la. Oui. Bras à torpille, mais bon. Bon, non, ok, ça va. Je garde comme ça. Welcome aboard, Captain. Allez, c'est parti pour le grand voyage. Oh la vache! Oui, ça va être un peu plus laborieux, mais ça va le faire. Ça, si on m'avait dit quand j'ai commencé à faire du YouTube et faire mes trucs, que ça aboutirait sur laisser ma petite patte à ma modeste échelle, mais quand même dans un jeu comme Space Marine 2. Vous imaginez quand même? Le petit belge perdu dans sa campagne que personne ne connaissait là. Qui l'eût cru? J'ai un petit peu halluciné. J'ai mis un moment à me rendre compte de ce qui se passait quand j'ai reçu le message en me disant mais c'est à moi qui parle. C'est à moi qui s'exprime. Comment ça? Le déplacement en grappin est un peu plus lent que le Simote, mais qu'est-ce que c'est swaggy par contre, hein. Spider-Man.
propulseur, ou je sais pas quoi. Fragment de chambre d'immersion. Ouais, j'avais déjà. Merci l'inconnu pour les 5 euros. Merci Pitiou pour les 10 euros. Juste dédicacer, défiscaliser mes lingots, bon courage, merci beaucoup. Bravo pour la défiscalisation. Oh, ça va être dur là. Allez, 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 le petit élan. C'est bon. Oh, c'était juste. Oui, les passages à la verticale, c'est plus compliqué. Youhou ! Ça marche bien. Je l'ai appelé le Deep Fear, le nouveau sous-marin. Vous traduisez ça comment ? La peur des profondeurs ou la peur profonde ? Je suis pas trop sûr là. Peur des profondeurs ? Peur profonde ? Un peu des deux ? Ou alors ça peut se traduire par les deux ? Les deux ? Depth Fear plutôt. Ça ferait Fear of Depth. C'est quoi ça? J'avais une... Ah oui, mais il y avait un truc ici. Merci. Kugat Only Fan, merci beaucoup pour les 20 euros. Venu avec un petit don pour fêter sa nouvelle carte bleue reçue ce matin. Et ben voilà. Ravi d'être le réceptacle pour ce test. Enfin, le réceptacle. Même pas tellement en fait. Que tu l'aies essayé lors de cet événement. Et ici, voilà. Deep Sphere avec S, peur des profondeurs. Mais sans le S, c'est la peur profonde. Deep Sphere, ça veut rien dire alors. Écrit comme ça. Si ça se trouve, c'est ça la réalité. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai envie de le forer. Ça va aller dans le dans la malle arrière de toute façon. Mon frère veut faire le jeu des 4 nains qui minent dans l'espace parce que c'était fun. Je lui demande le nom, il me dit Diptro. Il me dit Diptro Galactique. Ah oui! Presque! Bon, mais là, ça fait peur, hein. Oh là 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 là. Oh, vous le sentez que je vais paumer le prawn, là? Qui tombe comme une pierre au bout d'un moment, hein. Bon, là, ça va. Plus qu'à 800 mètres. Léviathan ici. C'est un trou ça? Ah oui, c'est un trou. C'est là qu'est la balise pour la sortie. Je crois que je dois déjà avoir visité tout ça. Oh merde. Est-ce que je vais réussir à remonter ? Passer.
par là pour être sûr. Ah, ça fait courir plus vite aussi si je tire sur le sol. Bon là par contre c'est... Ah ça y est, voilà, ok, on reconnaît les trucs. Là je pense que c'est bon. Il est proche du sol en plus. Bon, faut pas que je tombe sur une faille, mais là je peux freiner ma descente. Plus que 200 mètres, on est pas mal. On est pas mal. Le plancher des vaches. Là, il va falloir faire gaffe parce que j'ai l'impression que... Oh, on y est ! Magnifique ! On a fait, les amis, on l'a fait ! Il n'y a plus qu'à le remettre. Hop là, zou ! Here we go ! Attends, il peut descendre à combien du coup ? J'ai même pas fait gaffe. 1300 mètres! Allô? Je veux rentrer! Papa est à la maison! Tac. Ok, il nous reste des batteries bien chargées en plus. Bon. Je vais pas me faire avoir, je vais les stocker en bas. Hein. Souci. Merci Canard pour les 20 euros également. Pour le déguisement et la bretonnie. Ça arrive, ça arrive. Et ça bloque là. Bon, on va boire et manger un petit peu tout ça. Hop. Merci Chab. Merci pour les 500 balles. Allô. Merci beaucoup. Oh là 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 là, il y en a qui craquent tellement. Merci beaucoup pour les 500 balles. Merci énormément. Merci pour les assos. Et la cagnotte en est où là? 13 700, donc plus de 14 000. Oh là là. On ne vous arrête plus! Voilà, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Merci beaucoup. Ah, vous êtes au rendez-vous, hein, y a pas de souci. Hein. Je savais que je pouvais compter sur la Chaos Corp. Je préfère mes trucs là si je veux. Ah non, attends, c'est que pour le cyclope ça. Ah oui, c'est que pour le cyclope. Faut pas que j'oublie de remettre ça là d'ailleurs. Hop là. Heureusement que t'as bougé ton objectif ou le canyon. Ouais. Ah oui. Engine powering down. Ah, le moteur il tournait toujours. Engine powering up. Ah, ça a consommé très très peu quand même. Hein. Alors. Où est-ce qu'on va? Merci beaucoup Blizzard pour les 100 balles! Oh là 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 là, ça monte tellement, 14 200. Incroyable. Oh, il y a le arc qui s'approche très fort. Oh, ça veut dire... Ça y est! On est très proche du costume numéro 2 là. Alors attends. Par où exactement? C'était un poil galère. Ah, c'est par là. Calorie intake recommended. Ah. Vital signs stabilizing.
putain. Je vais devoir manœuvrer un peu là pour me mettre dans le bon axe. Oui. Et c'est pas par là que je suis passé? N'a pas l'air de passer. Attends, sinon... Je me prends peut-être la tête pour rien, là. Bah non, je me prends la tête pour rien, parce que là, c'est là que ça va pas passer. Quel dédale. Ça va redescendre après. Là? Attends, elle est où l'épave du cyclope? Là. En 200 balles, t'as dépassé la cagnotte d'Alpha. Ouais, c'est pas un concours. Ah, on a une cagnotte proche. Ah non plus, je l'aurais pas cru. Ouais. Ouais, ça y est. Attends, non, ça y est pas. Qu'est-ce qui cale? Merci Omexé pour les 40 euros. J'ai raté le premier costume, pas question de rater le prochain. Ah, il y a les clips, hein, il y a les clips. Il y aura des petits best-of et tout, hein. On est bon, on y est. Plus qu'à se remettre à l'endroit correctement. On y va. On n'a pas encore fait la guerre de la tartine. On va faire ça ce soir, tout début de soirée, vers 18h, on a dit. Il est quelle heure là? Ah, il va déjà être... Oh, la vache. Oh, ça passe si vite. Ah, c'est vrai que ça passe vite. Hein. Là, Alpha, il est en train de peindre. Merci beaucoup, Plid, pour les 250 balles! Dis donc pour ce doux moment. Merci à toi, merci Estiel pour les 20 euros. Je suis content de te voir au Z-Event prochaine fois en présentiel avec les autres. Allez, ouais, pas moi qui désigne. Pas comme ça que ça marche. Merci, stagiaire de l'année dernière! C'est le titre incroyable de sa vie. Le stagiaire de l'année passée. Je le remets quand même, hein, parce que c'est un exploit. Merci beaucoup pour les 200 balles. Non, tu peux être le stagiaire de cette année-ci aussi, du coup. Et on est à l'épave. Et merci le vrai Hugo pour les 10 euros. Attends que je me souviens par où il fallait aller exactement. Il n'y a pas 36 trucs possibles. Juste par là, je crois. On va monter un peu le son histoire que ce soit bien rigolo. Allez.
silent and low. Merci Rizard pour les 12,34€. Permettez de vous contacter pour remettre ce modeste don de la part de la branche locale grenobloise des bénévoles de la Chaos Corp. Qu'importe le sens de la tartine, tant qu'il y a du tartinage, ça nous va cordialement. Rizard, assistant stagiaire en charge des touillettes. Du deuxième, merci beaucoup. Eh, c'est un poste important, les touillettes. Merci à Tobelups pour les 15 mois. Si on mettait 1€, on pourrait passer le prochain palier. Mais oui, mais faut pas avoir peur hein, de faire des petits dons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros dons. Même à coût de 10-20€, c'est déjà beaucoup en vrai. Hein, mais n'ayez pas peur, hein, vous pouvez faire des dons de 1, 2, 3€. Il n'y a pas de problème, hein, tout est très bien. Hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre de l'argent si vous n'en avez pas vraiment les moyens. On est là pour lutter contre la précarité, pas pour en créer. Les champis comme ça, c'est des... Ah oui, non, je vois ce que c'est bon. Alors, attends... C'était par là, non? Fallait remonter un petit peu, et puis après, il y avait la descente. Il y avait les trous, les puits. Merci Tom pour les 20€ pour le costume. Bon, on est plus trop loin là. Merde. Mais... Comment j'ai réussi à me caler là? Ah, je me coince dans tous ces trucs. Oh, j'ai fait mon compte. Merci pour le don anonyme de 10€. Merci beaucoup. Et merci Noria pour les 10€ également. Tellement contente que mon tout premier don pour cet event soit pour la cagnotte. Soit pour ta cagnotte. Merci beaucoup. C'est très gentil. Hein, je sais pas comment je fais, mais j'arrive à me coincer avec la queue à chaque fois dans ces trucs des enfers. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment par là. Ou alors je vais par ici. C'est plus simple en fait. Non, ce sera pas plus simple. Non mais vraiment ! Soul là, je suis trop long. Oh mais il y a des stalactites partout pour m'accrocher la queue. Merci Kantenaka, merci pour les 50€, merci Angui pour les 100 balles. Bonjour patron, voici le salaire journalier. Journalier carrément, demandé par la compta. Ah oui, tout à fait. Merci Thomathieu pour les 100 balles également. Putain oui, on avance. Oh, je crois que le palier du Arc Survival Ascended Hardcore a été franchi. Merci Tonton Uriol pour les 5€. Ça y est, la vague de sub qui arrive. Là, on s'approche. On s'approche trop du costume, là. merci Lorutan pour les 10€, merci Alpharus pour les 50€, Isano, merci beaucoup pour les 17€, on veut le costume, mais oui, on y est presque. Ben là, c'est combien le costume? C'est 16 000 et des poussières. J'avais pas mis un chiffre rond pour celui-là. Et ça y est, on a franchi le palier. Bon, on va pas s'arrêter de s'arrêter à Subnautica pour jouer à Arc directement, mais on va le faire.
Et j'en ai marre, là. Pourquoi je galère autant d'un seul coup? Est-ce que je suis dans un coin où... Je suis dans un coin où je suis jamais venu, quoi. Ah, ça y est. Mais ça remonte ou pas? Merci pour les 1, pour l'euro également. Looking Flow, merci pour l'euro aussi. Petit don pour aider le patron à décoincer la queue des stalactites. Merci beaucoup. Mais c'est pas le bon endroit. Ah non, je suis en train de sortir. Ah merde, c'est pas le bon endroit. Je ne crois pas. Non, c'est même sûr et certain, c'est pas le bon endroit. Je vais peut-être couper ça là. Oh là là, merci les 13,37€. Je vote pour une campagne Torox. Comment ça, c'est pas ici? C'est presque. Merci. Merci Gorgorbeil pour les 13,37€. Merci Titi pour l'euro. Allez, on bourre. Mais oui, merci Clemrige pour l'euro aussi. Attends qu'il se coince la queue, essaye de rentrer dans mes trous. Je fais ce que je peux, moi. C'est pas bon, mais tout se ressemble dans ces cavernes, bordel! Corps Vendée pour les 5 euros. Voilà, merci Dibenzalak Keton, merci pour les 10 euros. Tines, merci pour les 20 euros aussi, let's go pour le costume. Il est parti 2 minutes sur Arc en hardcore. Tué par un dodo. Non mais... autour. J'enlève jamais. J'enlève plus jamais. Ah oui, il y a les alertes, mais en retard. Ah, c'est marrant, ça s'affiche d'abord chez moi et puis après... Et après chez vous. Enfin, sur le live. Bon, du coup, faut que je retrouve l'endroit. Bon, là, il y a là. La cage thoracique de Monsieur Poul. Ah, je me souviens de ce moment hier et je suis passé à gauche de la cage thoracique, mais je ne sais plus dans quel sens, mais essayons la gauche. Merci Bangloss pour les 10 euros, merci Animar pour l'euro, merci beaucoup. J'espère que j'en loupe pas, mais putain ça n'arrête pas. Prévoilé, donc je vois dans le futur. Laisser une balise, je vous le promets. Un jour. J'ai la flemme de les construire. Ouais, les ruines. Enfin, les ruines, les pylônes, là. Ah, c'était par là. Oui, voilà. Par là. Corruption. Il fallait repasser du côté de la ruine qu'on a déjà explorée. Et c'était de l'autre côté. Cette fois, c'est bon.
Cette fois, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Rivenzi veut collaborer. Ah bon ? Ah bon ? J'ai un message de Twitch. Rivenzi veut collaborer. Bah alors ? Bah alors ? Comme ça, directement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allô ? Et si j'ai... Hein ? Mais ça fait quoi ? Si je dis oui. Allô ? Allô ? Allô ? Faut se démuter. Ah oui, allô ? Merde, il faut que je mette... Oui, autorisé. Micro, allô ? Ah, Maf, comment tu vas ? Oui, monsieur Rivenzi, bonjour. Monsieur, vous voulez collaborer ? Je veux, monsieur, je veux collaborer. Comme j'ai ça, des on noms. Veut collaborer. Je connais des gens, je vais collaborer. Vous connaissez des tout. Gens ? Je sais tout. Je connais des gens. Peut-on savoir plus ? Je peux les balancer. Des détournements ? Exactement. Certains ont branché leur cagnotte PayPal sur le compte. J'ai des noms, je vais tout vous donner, monsieur. Comment ça va, Maf ? Ben ça va bien, écoute, et toi ? Ben écoute, ça va très bien. Je suis très très content de t'avoir. Alors, d'une, pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on s'appelle, qu'on se parle de toi. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est cool pour le The Event permettre ça. Et je pense que tu es le streamer préféré de mes potes de Bretagne. C'est vrai ? Qui est fanat de Total War. et donc il me dit, mec, putain, Maf, c'est trop bien, etc. Regarde tous ces streams et tout. Donc je suis trop content. Et il me parle très souvent de toi, de stream et de Total War. À chaque fois, ils veulent m'embrigader. Je dis, je n'ai pas le temps, les gars, de jouer. Je n'ai pas 450 heures à mettre dans ce jeu. S'il vous plaît, je joue déjà à Earth of Iron 4. Je ne peux pas. Ah oui, oui, non, mais oui. J'ai une vie. Social, je suis déjà un joueur suffisamment puant comme ça. je comprends parfaitement. Mais non, Maf, et je suis très content puisqu'en fait, ce que je fais, si je t'embête, si je collabore, c'est aussi parce qu'on fait ce qu'on appelle un cadavre exquis avec tous les streamers et streameuses qui sont en distanciel aux The Event. Est-ce que tu sais ce que c'est un cadavre exquis ? Non. Alors en fait, c'est très simple. Je vais mettre pause pour la VOD parce que ça va être compliqué sinon. Donc je vais être obligé d'arrêter chaque le jeu. Chaque personne nous donne une phrase et en fait, l'idée c'est que. Enfin, non, on laisse. Texte pour nous donner cette phrase. Le seul contexte que tu as, c'est la phrase précédente. Donc du coup, ce qui fait que tu le fais un peu à l'aveugle, t'as un tout petit peu de contexte, mais c'est après à toi d'imaginer. Et du coup, nous, on a sous les yeux l'histoire qui se déroule, mais pas toi et ni les gens qui ont donné les phrases avant toi. Ah, et donc je dois donner juste une phrase. Exactement, tout à fait. Qui soit raccord avec la précédente. Qui peut être raccord, effectivement. Et l'idée, d'accord. C'est qu'après, nous, on déroule. Et nous, on est en train de faire ça. Je crois que t'es le dixième sur qu'on appelle là depuis hier. Okay. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse avec le plus de gens possible pour qu'on ait une jolie histoire à la fin. Et en plus, nous, on est en train de préparer, j'en ai pas encore parlé aux viewers, mais on prépare un truc un peu sympa pour que ce soit un peu joli une fois qu'on aura fait le reveal, quoi. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu es prêt, Maf ? D'accord. Donc, il faut que ce soit en mode histoire. Ouais, ça peut être une histoire. Alors, sache que... Ah, pas forcément. Là, on est... Si, c'est dans l'histoire. C'est, en fait, c'est l'histoire de continuer l'histoire. Nous, c'est... Je peux pas trop donner de contexte de ce qu'on est en train de faire, sinon ça spoilerait. Mais sache qu'on est dans un dialogue. D'accord. Et... Il serait bon qu'on en sorte. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est tout ce que je peux te donner comme info. Et le dialogue, c'est un personnage qui dit ça. La phrase qui est dite, c'est. Enfin, je donne deux phrases parce que c'est un peu une suite de phrases. Ouais. Et ta dague, c'est pour écorcher des lapins. Virgule. Et ça marche aussi pour les renards. D'accord. Tu te démerdes avec ça, meuf. Donc, et ta dague, c'est pour écorcher les lapins et ça marche aussi pour les renards. Exactement. Sache que quand moi j'ai dit que c'était Maf, les gens m'ont dit Maf, il a la bonne phrase, machin, etc. Et Tadak, c'est pour écorcher les lapins et ça marche aussi avec les renards. Et il faut mettre un terme à cette conversation, tu me dis. Si tu veux, je ne t'impose rien. Si tu as une idée géniale pour relancer un truc marrant, c'est cool. Si tu as envie d'en sortir avec une réaction ou quoi. Entre les deux persos, parce que c'est deux persos qui se parlent, hein. Tu peux aussi. Tu mets la pression là, hein. Je sais, mais je mets la pression à. Là, je te mets la pression, mais. Les gens me disent, ouais, Maf, 100% e-clutch, etc. Non, mais les gens mettent beaucoup trop de... Ils s'imaginent beaucoup trop de choses. Ils mettent trop d'emphase. Mais oui. La nuance, les gens, la nuance. La nuance. Parfois oui, et des fois je suis fatigué le matin, tu vois. C'est, voilà. Des fois ça peut être incroyable, et puis parfois. Mais c'est le streaming. Hein. Exact. Ça fait 6 heures que t'es en live, je peux comprendre qu'à un moment donné, l'énergie vitale te quitte. Bon, donc, et ta dague, c'est pour écorcher les lapins ?
Et ça marche aussi sur les renards ? Ouais. De toute façon, je vais te laisser te lustrer la lame parce que moi j'ai autre chose à foutre. Oh mec. C'est vrai, tu nous donnes ça ? Oui. Quoi ? C'est exceptionnel. Mec, c'est exceptionnel. Mec, la phrase est très drôle en elle-même, mais dans le déroulé de notre histoire, mec, c'est... Bah c'est le clutch, c'est juste le clutch en fait. Je vais la lame parce que j'ai autre chose à faire. Ouais. Ah, mais je vais te laisser. De toute façon, je te laisse te lustrer la lame parce que j'ai autre chose à foutre. Ok. Je veux entendre le total. Tu le mettras où du coup ? On fera un reveal, je pense, vers 20h demain, tu vois, dimanche. Demain, le rush, ouais. Et on fera une lecture un peu de tout. Ah, je veux, hein. Non mais c'est vraiment parfait. Non mais puis surtout qu'on a, j'ai évidemment pris le soin de noter de quelle phrase appartenait qui. Et donc comme ça on sait qui a dit quoi et qui a répondu bien. Qui... Oh, c'est exceptionnel, vraiment bravo. C'est fort, c'est très très fort. Bon, très bien, très bien. Parce qu'il a déjà une cagnotte à 15 000 balles, il sait motiver les gens, il sait trouver les mots justes. Non, j'ai juste une commu de fans de Warhammer. Pour eux, 300 balles, c'est rien du tout. C'est vrai que... Non, je rigole, je rigole. Cause, ouais, ça fait des... ouais, ça fera une figurine en moins le mois prochain. Ouais, écoute, une boîte en moins, une boîte en plus. Ouais, ça va, vous allez vous débrouiller. Mais Maf, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. C'était un vrai plaisir. Bah, avec plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. C'était très très cool. Et franchement, au plaisir de faire un jour une partie Total War avec toi. Moi, je suis plutôt branché sur les Total War Histo. C'est ceux qui font un peu plus kiffer. Mais... Et bah, écoute, à l'occasion, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP si t'as envie de voir ce qu'on peut faire, découvrir un truc. Parce que je joue aussi au Total War Historique. À la base, j'étais un joueur de Total War Historique. Je connaissais même pas Warhammer, moi, à la base. J'ai découvert Warhammer grâce au Total War. Comme ça. Ouais. Ah, mais en vrai, c'est trop bien, mec, pour découvrir Warhammer Total War. Parce que c'est parfait. Parce que t'as juste t'as plein de personnages et tout. Moi, j'ai des potes qui vont essayer de m'y mettre un peu, mais juste le manque d'heures fait que j'ai pas pu y jouer plus. Mais c'est tellement un univers, des possibilités qui sont folles. Peut-être même plus qu'en historique, tu vois, avec tous les personnages, des races et tout, c'est assez dingue. Il y a, c'est énorme comme contenu, et surtout là, ça fera bientôt 10 ans que le jeu se développe en plus, Total War Warhammer. Tu sais, c'est la trilogie qui a fusionné, donc là, tous les contenus sont jouables en même temps, c'est une dinguerie en termes de contenu. Okay. Comme un MMO, quoi, qui s'est développé pendant 10 ans. Qui s'arrête jamais vraiment, et du coup, t'arrives à un moment, en mode, toi, t'arrives maintenant, en tant que joueur, t'es nouveau joueur, t'es en mode, waouh, ouais. Il y a tout ça. C'est clair. Sur Paradox, sur certains jeux, t'as un peu ça. Oui, aussi beaucoup de DLC. Ouais. Mais t'es en mode, bon, attendons les DLC, même si Paradox se fait très plaisir là-dessus. Mais une fois que t'as les DLC, c'est trop bien. C'est exceptionnel. Bien merci sûr. Merci beaucoup, Maf, en tout cas. Merci d'avoir avec grand plaisir et bonne continuation. Merci à la communauté d'avoir joué le jeu aussi. Et puis, un très bon The Event à toi. Pareillement, et au plaisir de rediscuter avec toi si on a l'occasion. Ah, carrément de fou. Plaisir à l'occasion. Ciao, ciao. Ciao. Salut, salut. Comment on raccroche. Ah, comme ça, d'accord. Putain, je savais pas ce que c'est. J'avais vu le bouton collaboration machin bidule, mais je savais pas que c'est ça que ça faisait. Et ben voilà, ben on a appris des choses grâce à Monsieur Rivenzi. Monsieur Rivenzi qui fait d'ailleurs des vidéos YouTube de grande qualité sur l'histoire. Il est vraiment qualité reportage et tout. Il a fait des vidéos assez ouf sur l'histoire avec un grand H. Ah! Qui est streamer aussi, évidemment. Mais c'est pas par là. Attends. Ah si ! Ah si, c'est là ! Ah non. C'est juste... C'est peut-être juste un peu plus loin. Il me faut juste le disten du début là. Si c'est ici quelque part le trou, je crois, qui plonge. J'oublie pas de relancer la VOD. Non, je l'ai pas coupé finalement. Je me suis dit non mais que YouTube voit le début de la conversation et puis après en mode. Bon bah y a plus. Tu vois ?
Je me suis dit, mais il y a des gens qui vont râler. Alors, il y a des gens qui vont râler parce que j'ai laissé et que ça fait un temps mort dans la VOD et que voilà. Mais il y en a qui auraient râlé si j'avais coupé. Ah bon, voilà. Ça. Ça va râler, quoi. Mais il y en a qui seront très contents que ça n'ait pas été coupé. Et c'est sur cela que je vais me focaliser. Parce qu'il faut toujours se focaliser sur le positif. Mais c'est sa spécialité d'attendre que je sois maxi tendu, celle-là. Ah, il y a encore les limaces de leur mort. Il y a du distène là. Il y en a là. Ouais, mais là, attends. Il y a un rebord, là. Ouais, chaud pour aller le chercher avec le truc sans se casser la gueule, hein. Merci Vinci Guerra pour les 100 balles! Merci beaucoup, merci Alpharius le vrai pour les 6,66€, Vandelos, merci pour les 10 mots à 10€. Merci Animar pour l'euro aussi, merci beaucoup. Attends. Là. Oh, mais quel enfer sortir avec le Prawn là-dedans! Je pourrais essayer de débarquer le Prawn là sur la corniche. J'espère qu'il n'y a pas de larves. Je crois que je suis un peu au-dessus là. Parce que là, ça s'ouvre où? Ça s'ouvre ici devant. Ok, doucement. Ok. Essayer d'être au-dessus de la corniche. Faut que je puisse re-rentrer dedans, donc faut que je sois quand même assez proche du sol. Voilà, là, je suis bien dans la longueur au-dessus du truc safe, là. Merde! Quelle saloperie! 22%! Bon, tu sais quoi? Pendant que le truc, il est à l'arrêt, on va juste enlever les batteries qui sont encore chargées. Oh, il me les suce si vite! Et il me faut le... faut l'outil, là. Non, il était au-dessus, je crois. L'outil pour pouvoir les virer. Merci, Robot Dindon, pour les 200... Oh, bordel! 16 500. Oh là 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 là, il va falloir regarder un truc, là. Je sais plus où il en est, le palier exactement. Attends, c'est pas là. Non, je l'avais mis en bas finalement. Ah voilà. Découpeur laser, je pense pas que j'ai besoin, si. Moi, je peux peut-être le prendre. Vital signs stabilizing. Comment ça, 200? Je me suis planté? Quoi, tu voulais mettre 20? Robot Dindon, merci pour les 20€. Non, non, c'est 20. Non, non, c'est 20. Quoi? Merci pour le don anonyme de 1000 balles! Oh bordel! Comment ça, 1000 balles? C'est une erreur aussi ou pas? OMG! On a le top donateur. Merci Vinci Guerra pour les 100€. Merci beaucoup. Alerte générale. Oh, les 16 500. Mais oui, ça sent très très fort le costume numéro 2. Mais attendez! Ça veut dire qu'on va faire la guerre de la tartine en costume. Il est où le distène? Il est là! Yes!
fait péter la cagnotte. En fait, c'est Rivenzi. Je suis à quoi là, 1138 mètres sur 1300, donc en vrai on peut y aller hein. Ok. On fait déjà un petit peu. Il y en a un là mais il est bien loin. Oh, mais faut remonter quoi. Ici remonter. Il est mort ? Ah je crois. Tu lui as lavé le cul là. Pas parce que je suis trop près ou quoi? Allô? Pourquoi il s'ouvre? Ah! Ah! Toi aussi tu veux ton massage, espèce de saloperie! On va peut-être le scanner lui. Là j'ai scanné, et bien là. Oui. Merde, je me suis gouré. C'est un problème si, si la trappe elle s'ouvre plus là. Mais y'a pas de batterie dedans, connard! Comment tu veux que la trappe elle s'ouvre? Y'a pas des trucs Bon, on va mettre les batteries une à une hein, pour pas les user de trop. Ben oui, mais évidemment. Allez. Captain, all systems online. Ouais, mais est-ce que j'ai encore des saloperies qui me sucent toute mon énergie là? Ah ouais, il y en a une là. Oh là là, il y en a une deuxième. Pff, c'est l'enfer ces trucs. Oui mais attends, il me faut de la vie moi. Oh là 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 là. Donc il me faut ça. Titane, maille de fibre, minerai d'argent, circuit intégré. Putain, circuit intégré en plus, c'est chiant. Faut de l'or, je crois. Un fil de cuivre, un d'or et deux corail plat. Corail plat, j'ai encore ça, moi, ici? Ah, j'ai peut-être bien pris les derniers la fois passée. Ah, il y en avait peut-être là-dedans. Ah, fait chier, j'ai pas. Putain, mais il manque tout le temps quelque chose hein, dans ce jeu.
On a constamment une ressource qu'on n'a pas. Hein. Et là, j'ai du disdain en suffisance pour faire les choses que je veux, là. Je crois. Donc, on remonte. On remonte, je me débarrasse des larves. Je crafte les trucs avec le disdain. Et puis, on voit. Quel enfer, il manque à chaque fois un ingrédient à la con. C'est terrible, hein, ça. Voilà. Engine powering down. Comment elles se font jarter. Oh, puis il y en a un. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? On voit pas. On voit pas. J'ai coupé le moteur, moi ? Oui, c'est bon. Non ! Mais c'est impossible de s'en débarrasser ! Elle va faire demi-tour. Il m'en faut quand même au moins une. Ok. Alors. Allons rechercher dans le Prown. Le disdain. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Module de profondeur Mark 2 pour le Prown. Lithium, 5 de titane. Ça là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et lithium, je sais plus, c'était deux. Et puis après, il me faut le module d'amélioration. Hop. Yay. C'est parti. Module profondeur Mark 3 pour Cyclope. Il me faut le module profondeur Mark 2, un lingot de plastacier et 3 de disdain. Mais j'ai tout, hein, j'ai tout. 3 de disdain, il me faut le module de profondeur. Ah ! Ah. Hein?
Mais il se passe quoi? Je touche un truc? Warning, fire detected. Mais je touche que dalle. Mais j'ai enlevé le truc! Oh, me dis pas que j'ai pas le truc de réparation. Mais c'est pas vrai qu'il est encore là, lui! Oh non, me dites pas que j'ai pas le truc de réparation. Oh non. Ne me dites pas qu'il était dans une de ces deux armoires-là et que là, il y est plus. Ah là là, à la longue, c'est quand même un reproche que j'ai à faire au jeu, c'est que l'inventaire est quand même petit et qu'on doit tout le temps se trimballer avec 12 milliards de trucs différents parce que tu sais jamais exactement à quoi t'auras besoin, de quoi t'auras besoin. Et l'inventaire est trop petit et il s'étend pas et ça, c'est un truc qui me saoule au bout d'un moment. Je trouve qu'il n'y a pas moyen d'étendre l'inventaire suffisamment, en tout cas par rapport aux 12 000 trucs dont on a besoin en permanence, c'est un peu chiant. Et là, ben, j'ai pas de truc de réparation. Il est pas là. Je ne l'ai pas pris. Je sais pas où il est. Ah, mais il était peut-être dans l'armoire qui a cassé. Et merde. Et là... Réparation... C'est quoi qu'il me faut, outil de réparation? Du soufre de cave, j'ai pas... Ah, oh, chier, je dois remonter à la surface pour trouver... Non! J'arrête pas! J'arrête pas! C'est... Je fais des allers-retours entre la surface et le dessous non-stop. Tellement j'ai besoin, à chaque fois je redescends, puis merde, il me manque un truc. Allez hop, on y retourne. Puis je redescends. Ah merde, il manque encore un truc. Allez hop, on y retourne. Aïe, 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 c'est compliqué, hein. Bon, au moins j'ai du distène. J'ai pas de soufre cristallin. Qu'est-ce que... Je sais même pas quoi faire. Bah, faut que je remonte. Il faut que je remonte. J'ai pas ce qu'il faut. Bon, on va arrêter la VOD ici de toute façon. Et voilà. Et cette merde. Il est où? Là, il y en avait un autre. Je sais même plus où je l'ai mis, l'outil de réparation, JPP! J'en avais un, mais je sais pas où il est. Non mais si, à mon avis, il était dans le... dans les armoires qui ont cassé. Putain, plus jamais je stocke des trucs importants dans les armoires qui peuvent péter, hein. Uniquement celle-là, hein. Et il en est à quoi, à ses points de vie, là? Oh, ça va encore. Et là, du coup... module Mark II. Profondeur critique, 1700 mètres. Attends, et là, j'ai mis le... Je sais même plus où j'en étais pour celui-là. Module de profondeur Mark II. Je peux pas faire le Mark III, hein. Ça, c'est le Mark I. Ah mais si je peux, il me faut juste le plastacier et le module de profondeur Mark II. Bon, si je cours le chercher, un lingot de plastacier et on est bon. Je cours. Voilà, direct.
Hop là. Et du coup, il peut descendre à combien? 1700 mètres. Ok, bah tous les deux. Très bien, très bien. Ok. Merci TDA pour les 5 euros, pour l'Imperium. Merci Azigor pour les 20 euros. Merci Stagiaire 404 pour les 40 euros. Merci Asmodan pour les 200 balles. Voilà YouTube, je vous laisse ici. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. On arrivera à la fin, mais je crois que le gameplay des 6 prochaines heures de Subnautica, c'est des allers-retours entre la surface et ici. Mais ça va le faire. Allez, salut !